Salut à tous les amis, c'est Drake et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Spider-Man Dimensions. Cela fait très très longtemps et j'ai l'habitude de dire beaucoup ça, mais cette fois-ci c'est vrai, hein, on s'était arrêté la dernière fois. C'était il y a quasiment un an. C'était vers août ou début septembre 2020 et nous sommes là pour la suite en juillet 2021. Donc... D'accord. D'accord. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi, donc comme je l'avais dit, j'étais parti plusieurs mois en Irlande et ensuite j'ai eu mes examens, donc ce qui fait que j'ai été pas mal occupé durant cette dernière année. Mais cette fois-ci, je suis disponible et nous allons bien finir ce let's play durant cet été. Voilà. Donc on a quand même pas mal de choses à faire. On est déjà bien avancé, mais tout de même. On a fini le chapitre 2. Attends, c'est chapitre 2. Super Bouffon, c'était chapitre 1. Ah ouais, attends, donc il nous reste... Ah non, ça va. Ah non. Ah, j'ai eu peur. Non, non, ça va, on est à la moitié du jeu. Tout va bien, tout va très très bien. Ah bah là ça va être le scorpion. Là, ça va être... quelqu'un. C'est déjà ça. Donc voilà. C'est parti pour le scorpion. On fait toujours en moyen. Et moi, je vais essayer... Enfin, je vais tenter... putain, comment il s'appelle? C'est... Miss Araignée. Merde, comment il s'appelle? Putain, j'ai tout perdu. Bref, ouais, il faut que je rappelle les contrôles, hein, parce que ça fait quand même un an. Hein. Et un an, c'est pas rien. À toutes les unités publicaï, rendez-vous entre la 121e et l'ex. Peut-être baisser le son. Un des fragments recherchés voilà. Par Alchemax a été découvert. Unité 94 et 98 en route. Donc je joue toujours sur Wii U afin de pouvoir filmer en HD, même si le jeu n'est pas en HD. Et aussi, donc je vais finir cet été. Oh, Scorpion, il est dégueulasse. En même temps, on est dans le futur. Je vais aussi finir le let's play sur Asgard's Wrath, donc restez présents. J'aimais déjà pas Steve quand il était humain. À moi ! Ah ah, t'as pas dit le mot magique. S'il te plaît, puis. Également, je vais bientôt recevoir Legend of Zelda Skyward Sword HD sur Switch. Donc, dites-moi si vous voulez une petite vidéo dessus. Alors, ok. Les options, c'est comment? Parce qu'il faut quand même que je regarde, en fait, pas les améliorations, mais les contrôles. Options. Luminosité sont les bons, les commandes. Alors, saut, ok. Attaque rapide, ok. Ça, attaque rapide, enfin attaque puissante. La caméra, c'est ça. Sens de l'araignée, mode furie. Sens de l'araignée, mode furie. Maintenir, ça c'est le, ok, position de défense. Salve de toile. Toile accrocheuse. Balancement, on maintient Z. Le Z, c'est celui-là. Tac, ok. La roulade, on se protège et on fait A. Ça, c'est la prise, pause, étoile du destin. Bon, ça va être tendu, mais on va tenter des choses. Alors, on a dit étoile du destin. Est-ce que j'avais des points? Parce que c'est vrai que j'avais acheté quand même pas mal de choses, mais. Alors, j'ai combien de points? C'est où c'est marqué? J'en ai 88 000, c'est ça? 88 000? Et genre ça coûte que 3000, c'est ça? Ou non, je peux pas l'acheter. Ah si, c'est... Non, c'est pas ça. Merde, comment qu'on fait? Ok, voilà, ouais, c'était ça que je voulais. Donc, les améliorations de combat. Donc je me souviens qu'il y avait des compétences, on va dire, pour Spider-Man version rouge, pour 99 et pour le noir. Et il y avait aussi des compétences communes. On verra ça plus tard. Hein, parce que là, déjà, c'est reprendre les contrôles. Ça devrait m'être bien utile, je pense. C'était ridicule. Mon dieu. Alors, attends. Ok. Putain, il est déjà là. What? Ok, on se protège. Alors attends, on a dit... Ça c'est la caméra, c'est pas grave. Faites sans permission de tuer. Désolé. Ok.
Ça, on le tape dessus. Oh, esquive. En fait, donc faire ça, on se protège, en même temps, on le vise. Ok. Ouf. Utiliser vision accélérée. Bouf. Se dire. Voilà. Yes. Ah oui, d'accord. Même bon. Ok, ok, ok. Bonjour. Bonjour. C'est pas pour toi, comment que ça va? Bien ou bien? Attends, comment je fais? Voilà. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, c'est ça. Ouh. Finish him. Des arrête copains. De frapper avec mon poing. Terminé. C'est ça, c'est, attends, c'est quoi cette voiture? C'est des flics? Ok. Oui, je me balance. Oui, je me balance. Et je me balance. Donc en fait, si je fais juste un truc comme ça, donc ça me met directement. Oh, je joue pas un truc. Ça me met directement donc, sur le point jaune visé. Mais si je maintiens, ça fait oui, je me balance, et nous nous balançons, c'est un plaisir immense. Bonjour! J'ai entendu un bruit, couvrez-moi! Alors ma Wii U est en train de brûler, c'est pas grave. Reculez, vous savez pas! Alerte secteur 84, toutes les unités. Oui, parce que du coup, je me filme sur Wii U, comme j'ai dit, pour pouvoir filmer en HD, parce que j'ai toujours en fait le même capture, enfin, le même boîtier de capture que. Que mes débuts, donc il peut filmer maximum en 1080p et pas en 4K, c'est ce qui est dommage parce que maintenant j'ai des consoles et des 4K, mais moi ça me suffit, hein. J'ai pas besoin de la 4K franchement pour les vidéos de jeux vidéo, ça va. Attends, Qui en veut d'autres? Comment je fais? Comment je fais avec lui? Attends, si je me protège, ninja. Ninja. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Oui, parce que du coup, sur Wii, il n'y a pas de câble HDMI. Du coup, mon boîtier n'accepte que des câbles HDMI. Donc, je suis obligé d'utiliser la Wii U pour jouer à un jeu Wii. Donc, ça, c'est pas bien grave. Mais du coup, pour la 4K, on va passer. Alors, attends, utilise le son d'araignée pour repérer des ennemis. Je pense que j'ai repéré le mec qui me tire dessus en face de moi. Mais la vraie question c'est comment je me débarrasse de ce putain de bouclier. Ça y est, esquive, tout va bien, mais. Peut-être que j'ai pas besoin de m'en débarrasser, peut-être que juste en martelant. J'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Alors ton bouclier est plus puissant que ma force brute, sérieusement. Mais il peut soulever 10 tonnes Spider-Man, alors ses coups de poing, voilà quoi. Attends, appuie sur A pendant une frappe de toile pour réaliser une feinte. Attends. Comment je fais? Attends. Je sais pas ce que je viens de faire, mais c'était sué. J'ai réussi à faire la feinte. Caméra. On va enlever ça. Attends, donc c'est ça. Pas du tout. Faut que je le feinte. Bon déjà, faut qu'il vienne par là, parce que dans un mur, c'est pas pratique. Hein. Tu veux pas venir ici qu'on joue? Allez viens. Allez viens, on est bien là. Allez viens. Oui, non mais t'as raison, Spidey, non mais... Y'a un ennemi... Mais... Je vais balancer une poutre, c'est un fou. Royal, hein. Bon, on va te laisser là, d'accord, on va essayer d'avancer tout seul, hein. Attends, peut-être qu'il faut que je... Ah merde, je crois qu'il faut vraiment le tuer pour pouvoir avancer. Alors mon coco, tu m'arranges pas, hein. Je t'ai dit, si tu mets pas du tien en même temps... on peut le taper à travers le mur. Ah non, aïe. Ah putain, je l'ai un peu débloqué. Et un peu. Alerte de sécurité. Spider-Man est
considéré comme dangereux. Putain, je vais pas réussir à le débloquer celui-là. Bon, je pense que tous les speedrunners qui me regardent, ils doivent faire un arrêt cardiaque, mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. On va finir le niveau en moins de 3 heures, je vous le promets. Ceci était une promesse Ubisoft. Mais putain, mais il me casse les couilles celui-là. Mais vraiment. En même temps, l'IA de l'époque, hein. Enfin, déjà qu'aujourd'hui, l'IA, elle est pas aux pointes, alors maintenant. Enfin, alors, à l'époque. Voilà. Non, mais j'avais compris, hein. Vous inquiétez pas, j'avais compris le principe de. Comment dire, de faire ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. De faire ça et de feinter. Le problème, c'est qu'il était coincé dans un mur, donc. Oh, petit araignée, bonjour. En fait, est-ce que je peux avancer sans tous les affronter ou. On est en mode affronter les tous, Pokémon. Oui, c'est vrai que parlons-en, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Aïe. Il y a quelques temps sur Spider-Man, enfin surtout les annonces des remakes. Et bon, ça a été une vidéo assez particulière parce que du coup beaucoup de gens. Enfin, c'était du 50-50. Il y en a qui étaient d'accord avec moi, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, on a tous notre point de vue. Hein, je dénigre absolument pas les gens qui sont contre moi. Mais du coup, j'ai eu le temps un petit peu de m'y faire à ces prochains remakes. En fait, ce qui m'a fait changer un peu d'avis, c'est quand j'ai vu Zelda, je crois que c'est Link's Awakening ou Link to the Past. Je sais plus lequel qu'ils ont fait un remake sur Switch. Et graphiquement, il ressemble, en termes de DA et visuel, il ressemble un petit peu au prochain remake. Non, je me suis dit que ça pourrait être un style qui peut aller avec le temps, on va dire. Donc je pense honnêtement, parce que je suis un gros pigeon et puis un gros fan. Attends, juste avant, faut que je fasse quoi? C'est bien gentil, mais faut que j'aille là-haut, on est d'accord. Bon, là, il y a des œufs qui explosent, tout va bien. Alerte de sécurité. Mutant illégal en liberté. Les citoyens doivent faire preuve de prudence. Putain, je me suis déjà perdu. Et du coup, je vais quand même le précommander, ça y a pas de souci, je vais jouer toute ma vie sur ce jeu, parce que j'ai déjà joué toute ma vie sur l'ancien. Ah, d'accord. Ok, merci. Et après, je ne sais pas si je ferai des vidéos sur Pokémon, ça c'est vraiment moins sûr, parce que moi, du coup, vu que j'ai réussi mes examens, bah, je vais pouvoir continuer mes études. Toujours en game design, bien entendu. Et après, niveau temps, bah, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos comme ça. Enfin, honnêtement, je pense prévoir un petit peu comme j'avais fait en Irlande quand j'étais parti. J'avais tourné à l'avance et j'avais tout programmé pour que les vidéos sortent à temps. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, il n'y aura pas forcément des vidéos tous les jours, ni même genre un épisode. Comment dire ? Peut-être pas genre 5 ou enfin 4-5 épisodes par semaine, mais il y en aura sûrement 2-3 par semaine, ce qui sera déjà pas mal, hein, je pense. Attendez, il faut que je fasse quoi là? Mon objectif c'est. Il y a quand même beaucoup d'ennemis. Donc est-ce que je les affronte tous ou. Ah non, ils sont en train de se battre entre eux, donc en fait je m'en fous. Alors le jeu il rame du cul. Je sais pas si c'est à cause du game capture ou si c'est vraiment le jeu qui rame un peu comme ça. Ou le fait que j'y joue sur Wii U. Il faut que je descende ou bien. Pas des œufs. Oui, une araignée. Je fais que passer. Aïe.
Bon, niveau vie, quand même, c'est quand même très généreux. Hein. Le jeu est très sympa. En tout cas, le scorpion du futur, il a quand même pas mal changé, contrairement à celui qu'on connaît, qui est juste un costume. Hein. Oui, bah, vas-y. Hein. Tu peux me tirer dessus, moi, tout va bien. Je vis ma vie, je fouille. Enfin, je fouille, mais je suis quand même perdu. Hein. Attends, il y a un point. C'est là-bas, il y a... Attendez-le ! C'est lui ? Attends, je suis en dessous. Non ! Voilà, par là. Je pense que c'est par là. Je peux aussi passer par le haut, mais... Ah, c'est un mec à sauver. Bonjour. Je t'attrape. On y va, hein, comme ça, hein. Tranquillou. Voilà. Je t'emmène où, mon copain? Voilà. Vous pouvez ralentir un peu. Ralentir. Hein. Déjà, je réapprends les bases du jeu, alors, hein, tu te permets. Voilà, c'est par là. Allez, cours, vite à vie. Scientifique déposé, il y en a un deuxième par là-bas. On va aller. C'est pas ça que je voulais faire. Non, il est en dessous, merde. Ouais, il est en dessous. Bonjour. On fait ça, puis après, je vous promets, on essaie d'avancer dans le jeu. Parce que pour le moment, pas trop ça. Ça va, franchement. Là, juste de passer dans de l'acide ou je sais pas ce que c'est, voilà, ça ne fait pas grand chose. Donc on y va tranquillement. Ah, donc en fait, c'est vraiment le jeu là. Là, il faut vraiment que je. Ah, merde, je les œufs. Il faut vraiment que je l'emmène là-haut pour qu'il ouvre la porte. Et ainsi. Je vais pouvoir avancer dans le jeu. Si j'amène les scientifiques jusqu'au console, ils pourront ouvrir les portes. Voilà, mon copain, tu es libre. Maintenant, ouvre cette porte. Ah, faut que je le protège, d'accord. Bon, si j'enlève cette vue, parce que voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on prenne bien? Il y a 10 milliards de scorpions vivants qui sont modifiés génétiquement, ou je sais pas exactement comment ils ont réussi à créer des hybrides entre scorpions et humains. Oui, bah je fais ce que je peux, hein. Ils font mal en vrai. Oui, bah, aidez-moi. Ah merde, il y en a un deuxième. Putain, je l'avais point vu. Attends, dépêchez-vous un petit peu, c'est genre... Vous faisiez quoi là pour ouvrir une porte? Moi, honnêtement, j'ai une clé, tu vois. Plus rapide, plus simple. Aïe. Oh putain, mais le bordel! Putain, je prends plein la tête! Oh putain! Oui, bah. Je sais pas si t'as vu le nombre. Et vous êtes deux. Putain, je sais. Oh putain, j'ai perdu dans le mur. Super. Puis vu qu'ils vous focus tous les deux. Oh putain, ils vont crever. Putain. Et un peu pour toi. On reste calme. On reste calme. Aïe. Je peux pas travailler dans ces conditions. Donc le mode ralenti, ça use tout mon machin, mais c'est ultra rapide. Système de sécurité à tous les niveaux. Menace
niveau élevé. Le personnel de sécurité est attendu. Mais je peux pas les attaquer en même temps, les deux. Je peux pas les arrêter. Regardez-moi ce pot. Il veut des baffes. Oh, stylé ça. Ils vont se dévorer. Et reste à terre. Et en même temps, si j'avais une attaque spé, genre pouvoir ultime ou... C'est pas ce que je voulais faire du tout. Ma concentration est perturbée par les attaques de ces insectes géants. Non. Échec du bouclage urbain. Au secours, aidez-moi. Oui, bah au secours, aidez-moi. Je peux pas travailler comme ça. T'as vu le nombre? Mais t'as vu ce... C'est quoi ce gangbang? Putain, puis en plus, ils sont des décotés, hein. Mais regarde ça! J'ai vu qu'ils vous focus tous les deux. Mais... Putain, je suis en train de masturber ma manette, mais je sais pas quoi faire d'autre, en fait, là. Oh merci. Attends, crever. Mais attends, vous pouvez crever, je m'en bats les couilles. Ouh, bon. Attendez. Là, je suis en train de m'étouffer comme un con. Ah. Donc je disais, vous pouvez mourir tranquillement, je m'en fous. Alors là-bas il y a une araignée. Ok. Bonjour. Ouh, j'ai peur. D'autres amateurs? Si jamais, quand j'ai dit que j'avais peur, c'était une blague. Hein. Bon, là, ça va. Entre une armée de scorpions mutants qui me foncent dessus, puis deux mecs à moitié cyborg, ça va. Et c'est ce que je fais, je maintiens un B et je fais... Je sais pas si c'était ça, mais ça a marché. Prends ça. Non. Ouais. Attendez, donc j'ai des améliorations.